Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment entretenir et changer une chaîne de tronçonneuse. Tout d'abord, il faut savoir à quel moment elle est usée et à quel moment il faut l'affûter. Pour ça, on va faire un petit test avec un petit bout de bois et regarder les copeaux pour voir s'ils sont bien ou pas bien. Donc ici on voit les copeaux de la petite tronçonneuse. De manière générale, ils sont un peu plus gros que les copeaux de la grande tronçonneuse. Donc des grands copeaux, ça veut dire que la tronçonneuse elle est bien aiguisée, et des petits copeaux qu'elle n'est pas bien aiguisée, donc qu'elle a du mal à couper. Dans les deux cas, on peut dire qu'elles sont mal aiguisées. Pour cela, je vais vous montrer les copeaux d'une chaîne complètement neuve. Alors juste pour la démonstration, ici la chaîne neuve qui n'est pas encore montée et l'ancienne chaîne qui est au-dessus. Et on voit bien que les dents de l'ancienne chaîne, ils sont déjà usés, ils ont été aiguisés plusieurs fois. Et la nouvelle chaîne. Donc avant de commencer d'aiguiser une ancienne chaîne, j'aime bien prendre un repère. Donc dans ce cas là il y a deux dents du même côté, ça arrive souvent, c'est en fonction de la longueur de la chaîne, donc pour savoir où on commence. Sinon, si dans votre cas il n'y a pas deux dents du même endroit, vous mettez un petit bout de bois ou avec un marqueur ou quoi qu'il soit pour repérer là où vous avez commencé à aiguiser. La plupart des chaînes, il faut les aiguiser à 30 degrés. Donc en dessous, j'ai la lime ronde que vous achetez dans les commerces spécialisés, et puis un adaptateur qui nous indique les degrés. Donc 30 degrés, c'est comme ça. Il faut aligner ça avec le guide de la tronçonneuse, et puis il faut faire 2-3 coups doucement sans appuyer. Et on fait tout le côté pareil jusqu'à ce qu'on a fait le tour de la chaîne. Toujours jamais sans forcer et en douceur. Et en toujours respectant les 30 degrés. Bon, la même opération avec l'autre côté. Vous voyez, j'ai fait le tour de la chaîne, je me retrouve avec les deux dents du même côté. Donc la même opération, toujours les 30 degrés avec des mouvements doux et amples. Donc là, on a aiguisé les dents des deux côtés. Maintenant, ces dents, ils peuvent être aussi aiguisées qu'ils veulent. Si la petite dent, cette petite dent là, elle est plus haute que le reste, ben, elle ne peut pas couper parce qu'il y a le... parce qu'elle gênerait la coupe de la dent. Donc à chaque fois qu'on a aiguisé, ou une fois sur deux plutôt, on met un petit coup avec une lime plate, légèrement penché en avant sur toutes les petites pointes devant là, et ça peut vraiment faire la différence. Les dents peuvent être très bien aiguisées, mais si la petite pointe devant elle est trop haute, ben ça peut pas couper. Pour vérifier un peu, vous pouvez poser votre lime plate
par-dessus pour voir la distance entre votre lime plate et la petite dent. Donc là c'est bon, en sachant que là c'est quand même une chaîne déjà bien usée, mais bon, vaut mieux la aiguiser plusieurs fois au lieu d'acheter une neuve. Donc une chaîne bien aiguisée, ou fraîchement aiguisée plutôt, le métal où ça vient d'être aiguisé vers là, ça peut briller un petit peu. Voilà, comme ça vous savez que vous venez d'aiguiser. Alors je ne sais pas si on l'a vu sur la séquence d'avant, mais en tout cas ça va, à la sensation c'est quand même beaucoup plus facile à couper, et on a l'impression que les copeaux sont bien plus épais, bien plus gros qu'avant. Donc maintenant je vais changer la chaîne pour vous montrer les copeaux d'une chaîne neuve. Pour ça, on peut déjà dévisser l'écrou principal là. Hop, j'avais déjà dévissé un petit peu. Et puis on lâche un peu le tendeur de la chaîne. Voilà, on fait bien plusieurs tours comme ça. C'est pour insérer plus facilement tout à l'heure la nouvelle chaîne. Vous voyez, la chaîne elle se raccourcit, le guide il se raccourcit un petit peu. Donc on enlève l'écrou principal. On enlève l'ancienne chaîne, comme ça. Et pour user plus régulièrement le guide de chaîne, on le tourne, on le met dans l'autre sens. Comme ça il est usé plus régulièrement et on pourra l'utiliser plus longtemps. Et donc là, on met la nouvelle chaîne. Il faut bien respecter le sens des dents. Si on la monte à l'envers, la chaîne, forcément, elle coupe pas. Donc on l'insère bien comme il faut. Et on regarde bien que le guide qui a deux trous se re-enclenche dans le bibit qui sert à serrer le guide. Après on remet le capot par-dessus et on serre un petit peu l'écrou principal. Et puis on resserre la chaîne parce que là elle est hyper floue, donc on met plusieurs coups de vis avant de serrer l'écrou principal bien sûr, parce que lui il bloque après le tendeur. Donc quand vous sentez qu'il y a un peu de force, que c'est déjà un peu trop là, et quand vous tirez dessus, il faut tirer fort pour que la chaîne elle dépasse le guide. Donc on desserre trois quarts de tour, un demi-tour. Bon là c'était trop, vous voyez, un petit peu plus fort, un petit quart de tour en plus. Il y a une toute légère résistance à tourner, il faut forcer légèrement pour la faire sortir. Là c'est le bon réglage. Là sur la coupe avec la nouvelle chaîne, les copeaux sont encore plus longs que les autres et à la sensation c'est vraiment comme du beurre. Donc là c'est la grosse tronçonneuse de tout à l'heure. Ici on voit bien que on devrait voir que les dents ils sont encore assez grandes, donc c'est une chaîne neuve mais qui a été pas aiguisé depuis un petit moment.
et elle coupait moins bien que la petite tout à l'heure. C'est pour vous dire, quelquefois, une grosse tronçonneuse coupe moins bien qu'une petite qui est bien aiguisée. Donc, de temps en temps, ça peut arriver qu'on touche la terre avec la chaîne ou une pièce métallique ou autre chose qui n'est pas du bois. Et ça peut, ça enlève la coupe de la tronçonneuse. Donc à ce moment-là, il faut tout de suite re-aiguiser pour enlever ces défauts. Quelquefois, au fur et à mesure du travail, il peut y avoir des dents devant qui se cassent. C'est difficile à voir, mais si vous regardez la vôtre, vous verrez des petits défauts. Bon, ben, faut faire avec. Et si les défauts sont vraiment très importants parce que vous avez insisté à couper sur une pointe en métal ou de la terre, ben, il faut aiguiser plusieurs fois pour enlever ces défauts sur tous les dents, pour que tous les dents soient homogènement aiguisés, donc tous de la même longueur, de la même taille, la même hauteur et tout ça. Chaque tronçonneuse a des entraîneurs différents. Donc si vous achetez une neuve ou si vous achetez une lime plate avec l'adaptateur qui va avec, renseignez-vous bien chez votre revendeur pour qu'il vous donne la bonne taille qui est indiquée toujours sur le guide de la chaîne, quelque part par là. Quelquefois c'est difficile à voir, mais les revendeurs arrivent toujours à le voir. Juste un petit détail, ici vous pouvez voir la chaîne qui pendouille un petit peu là en dessous. Ben ça c'est déjà un signe qu'elle n'est pas bien aiguisée, elle est pas bien tendue. Là il faut la retendre d'un quart de tour ou un demi-tour pour que la chaîne elle chauffe moins vite.